Bonjour, je suis Sylvie Gaudreau, je suis conseillère d'orientation au Cégep de Saint-Laurent. Aujourd'hui, ma mission avec vous, c'est de vous présenter trois petites astuces qui, j'espère, pourront vous aider à faciliter votre choix de programme et votre choix de cégep. Astuce numéro 1, se renseigner. Astuce numéro 1, se renseigner. Cela paraît évident, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Vous saviez qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider. La première chose, je vous dirais, de vous adresser à votre conseiller ou votre conseillère d'orientation dans votre école. Cette personne-là est formée et est capable de bien vous renseigner sur tout ce qui existe comme option. Deuxièmement, si vous allez sur le net, vous avez vraiment beaucoup d'adresses où vous pouvez aller chercher de l'information. Pigma.ca. Vous pouvez faire votre recherche par programme, vous pouvez faire votre recherche par langue, par région géographique. Alors, c'est vraiment une bonne source d'information. Je vous invite vraiment à aller mettre les pieds sur place parce que c'est concret. Vous allez rencontrer les gens, vous allez voir tous les services qui sont offerts parce que c'est pas tout d'étudier. Il faut aussi voir dans quel environnement vous allez pouvoir évoluer. Astuce numéro 2. Faire ton choix selon tes forces et non selon une profession ou une carrière. On a toujours un meilleur sentiment de compétence lorsqu'on y va selon ce qu'on est bon, selon ce qui nous donne de l'énergie, selon les résultats qu'on a. Parce que dans le fond, on entend souvent dire qu'il y a certains programmes qui rouvrent les portes à tout. Est-ce vraiment vrai? Il faut vraiment y penser. Moi, je suis plutôt du type à dire qu'il faut axer vraiment sur quoi qu'on est bon, dans quoi qu'on a une bonne énergie pour pouvoir mieux performer au collégial. Astuce numéro 3, démystifier la peur de se tromper. Il n'y a pas de choix idéal. Probablement que tu as plusieurs intérêts, plusieurs aptitudes. Peut-être aussi que tu ne connais pas trop tes intérêts. Mais il faut arrêter d'avoir peur. Il faut avancer. Pour moi, l'orientation, c'est un peu comme un voyage. On n'est pas obligé de connaître la destination finale avant le 1er mars, mais il faut au moins avancer. Il faut au moins faire un pas. Maintenant que tu t'es bien renseigné sur les programmes, que tu as misé sur tes forces, que tu t'es défait de la peur de te tromper, fais-toi confiance. D'ailleurs, tu es la meilleure personne pour faire le meilleur choix pour toi. Plein de personnes vont te donner des conseils, mais c'est toi qui te connais le mieux. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, laissez-moi des commentaires. Je vous souhaite une super belle journée. Merci, au revoir!